Je m'appelle Laurence Devoir, j'ai 41 ans, je suis cadre de santé à l'hôpital de Carhaix dans le Finistère, plus précisément en Centre-Bretagne. Et pour les élections régionales, je suis donc tête de liste régionale pour la liste unitaire anticapitaliste et pour une écologie radicale. Donc on est essentiellement dans un contexte de crise économique toujours de plus en plus prégnante. On est aussi dans un contexte où on est dans une région comme 19 autres gouvernée par le PS, donc dans un contexte où globalement on ne voit pas trop la différence entre une région rose et une région bleue. En termes économiques, il y a des subventions de l'ordre de 48 millions qui vont directement dans les poches d'entreprises privées comme Alcatel, Entremont, qui est licencié à tour de bras. Les subventions à l'enseignement privé catholique dépassent largement le cadre législatif. Les subventions à la formation professionnelle privée également. Dans le cadre écologique, on connaît malheureusement ici les méfaits des algues vertes. Il y a un gros dossier qui ressort comme par hasard juste avant les élections. Et l'urgence sociale, c'est évidemment des licenciements en masse. C'est aussi la précarisation des populations, c'est la désertification des zones rurales, la casse des services publics, notamment en milieu rural. Alors Laurence, on s'est placé pour faire cette vidéo devant la gare de Rennes. Pour quelle raison ? Eh bien, c'est pas symbolique, c'est malheureusement une réalité. C'est que le réseau ferroviaire, depuis le début du XXe siècle, a été complètement laissé à l'abandon. Donc nous, on refuse notamment la création d'un projet complètement inutile qui s'appelle la ligne à grande vitesse, qui vaut quand même, qui coûtera aux populations la modique somme de 3 milliards pour gagner 20 minutes, et qui surtout ne va pas bénéficier à la majorité de la population, qui ne peut malheureusement pas se déplacer vu l'état du réseau ferroviaire. Au niveau aussi environnemental et dans le cadre des transports, on s'oppose fermement au projet, alors là qui est non seulement inutile, mais qui en plus est pharaonique, de Notre-Dame-des-Landes, donc qui est un aéroport qui n'a aucune justification dans la mesure où l'aéroport actuel de Nantes ne remplit déjà pas, n'atteint pas ses taux de capacité, et qui en plus sera un désastre écologique, puisqu'on va voir la disparition de terres agricoles. Ça va aussi engendrer une augmentation des gaz à effet de serre, une augmentation de la pollution et la disparition du bocage. Alors la liste vraiment à gauche réclame l'abandon du projet de la ligne à grande vitesse pour à hauteur de 3 milliards. Et ce budget pourrait très bien être distribué pour réouvrir les lignes ferroviaires qui ont été abandonnées, que ce soit pour le transport des voyageurs, mais également pour le transport des marchandises. Et puis, ce qu'on revendique également, c'est un service public, dans le cadre d'un service public, avec des transports gratuits.